Aujourd'hui, 17 juin 2011, la MJC ouvre ses portes pour présenter au public et aux élus la récente et importante extension de ses locaux. Profondément modernisés, plus accueillants et plus fonctionnels, le nouveau cadre doit permettre l'accueil d'un nombre croissant de Chambériens. Suivons ce visiteur et découvrons avec lui ce qui fait la vie de ces nouveaux espaces. Manifestement, ici, on débute. 10 ans seulement, mais déjà très bon. De magnifiques espaces semi-couverts. Ici, une partie de bridge. Ça veut dire partenaire sur un point. Ah, par là-bas, ça commence à bouger. Les danses plus classiques. Ici, une des nouvelles loges. La peinture sur soie. Avec quelle matière peignez-vous ? C'est la cire. Nous irons ensuite voir le nouvel atelier de menuiserie. D'accord. Des jeunes viennent vous rejoindre ? Il y a eu des jeunes, il y a eu des enfants. Il y a eu des enfants de 10 ans qui sont venus aussi, qui ont fait des batiks extraordinaires. Vous estimez avoir du bon matériel maintenant ? Là, on a du très bon matériel. C'est du matériel de professionnel. Des gauchisseuses. Raboteuse, on fait des toupies, on se. Geneviève, aujourd'hui à Metz, voilà, le coq s'est pris son envol pour aller se poser à la cime de l'arbre. Ils voulaient tous voir à l'intérieur. L'âne, le plus grand, a posé ses jambes sur le rebord de la fenêtre. Prends ton temps entre chaque animal, c'est pareil. T'as intérêt à mettre un petit blanc, hein. Le truc machin, le chien il a fait ça. Laisse-lui le temps de s'installer. Les deux là, vous êtes un doudou. Ces nouveaux espaces jouent avec la transparence, vous avez pu le voir. L'ouverture, le dehors et le dedans renvoient aussi la lumière. L'utilisation du noir et du blanc, de la couleur telle que le orange, des matériaux bruts, le béton, confère une impression de lieu d'expérimentation. Nous avons mis un petit peu de temps à faire cette inauguration parce que nous avons du coup laissé la possibilité à chacun de prendre pleinement possession de ces nouveaux locaux, et c'est un moment que nous allons poursuivre en échangeant et peut-être, si vous le voulez bien, en se regroupant pour couper le ruban d'inauguration. Regardez-nous, s'il vous plaît, monsieur.